fait, c'est un parti pris artistique. J'ai préparé une trilogie qui s'appelle Julius, dans laquelle je livre une histoire par le biais d'un personnage qui est justement Julius. Et sur le projet Rooftop, j'avais déjà besoin artistiquement de sortir de ce contexte très storytelling et justement de livrer une partie de moi, non pas par un personnage, mais par la personne que je suis directement, quoi. En fait, c'est un projet qui a été construit comme tous mes projets, beaucoup de travail, beaucoup d'écriture et tout ça. Mais c'est quand même un projet dans lequel je parle beaucoup de moi. C'est celui qui me définirait le plus en tant que Julien, quoi. Elle s'implique beaucoup, c'est la présidente de mon label. C'est ma première fan. Je crois qu'elle connaît mieux mais toutes mes promos que moi. C'est ma maman, quoi. Je pense que je ferais pareil si j'avais des gosses et qu'ils se retrouvaient à faire des interviews et tout ça. Juste par curiosité, je voudrais savoir quelle connerie ils racontent. Elle est fière. Non, je lui fais pas écouter, j'ai du mal encore. J'ai une certaine retenue à lui faire écouter mes morceaux. Je dis des choses qui sont pas tout le temps... Même si j'ai pas d'ABS, moi, avec ma mère, je parle vraiment comme si je parlais à mes potos et tout ça, parce qu'elle sait de toute façon qui je suis et tout ça, mais j'ai une certaine retenue à lui faire écouter des morceaux qui sont plus ou moins crus et tout ça. On dira que c'est une retenue fils-mère. Je me dis pourquoi le faire, pourquoi me mettre des restrictions à partir du moment où j'ai envie, moi, d'en parler. Je pense qu'à un moment donné, quand tu commences à exister musicalement, je pense que le public t'aime pour ce que tu proposes. Et c'est pas mon envie de plaire au public qui fait que je plais au public, c'est plus mon envie de faire ce que j'aime faire qui plaît au public. Et je pense qu'il faut continuer sur ça, et j'ai toujours fait comme ça. Donc ça m'a pas fait défaut pour l'instant, et moi j'ai besoin un petit peu de me livrer. J'aime pas voir des psys et leur parler. Je parle à une feuille. J'ai l'impression qu'avec les années, moi, le public me connaît mieux, que je suis arrivé avec une part énorme de mystère. Et puis j'avais aussi besoin d'exprimer au public mon désir de leur faire connaître une partie de ma vie, quoi. Ces gens-là, je leur dirais Renaud, je leur dirais Brel, Brassens. C'est la meilleure réponse que je peux leur donner. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ma musique, d'échanger avec des mecs que j'écoute au quotidien, avec qui je m'entends super bien. Et puis des fois, on crée même des vrais liens d'amitié. Et je trouve que c'est chouette pour le mouvement, encore une fois. J'ai pas le droit de spoiler plus que ça, mais c'est vrai, je serai sur l'album, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement. C'est un ref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs, en fait, dans le paysage français. Après, le paysage outre-Atlantique et tout ça, je m'y intéresse pas trop. Je trouve pas que ça sert vraiment à la carrière d'un Français. Mais des grands lyricistes comme Lino, comme Oxmo ou Laura Luciano, pour moi, c'est des gens qui ont un petit peu façonné ce que je suis aujourd'hui à leur manière de proposer de la musique. Ça serait bien leur rendre ma part de gratitude en faisant un morceau avec eux. Encore une fois, pas de spoil, mais je pense que j'ai pas livré assez d'images pour faire une réédition. Ça peut aider les gens à comprendre quelque chose. On sait où on va, ça va sortir incessamment sous peu, on y travaille, et voilà. Mais ça se profile super bien, je suis content, et Guilty est déjà dans les starting blocks, et on est chaud. Ouais, de fou, mais bon, après là, j'ai pas nécessairement besoin de l'être, tu vois. Et justement, j'aime mettre en avant plutôt mon côté lumineux que mon côté sombre. Je le fais très bien en musique, donc quand il s'agit de discuter avec des gens comme toi, mon côté lumineux est ma première face. Je sais pas, des fois les yeux nous trahissent, je sais pas. J'aimerais bien faire mes courses à Auchan avant 21h30 le soir. J'aimerais bien y aller à 14h en plein boom, ou aller m'acheter des sables chez Footlocker à Saint-Fé, à Marseille. Mais sinon, au-delà de ça, c'est une part de reconnaissance. Et hier, quand on m'a dit ça va être comme ça, j'ai pas dit non. Alors aujourd'hui, je fais avec. Mais c'est cool, j'ai beaucoup de chance. Je
pense pas à ma musique pour l'image, parce que en vérité, si je devais coller vraiment une image à certains titres à moi, ça serait vraiment très quartier en vérité. Or, singles qui sont un peu plus quali et tout ça, mais sinon ça serait très quartier. Mais j'aime la mode en fait, c'est juste ça. J'aime beaucoup la mode, je regarde ce qui se fait, ça m'intéresse. C'est la guerre à cause de ça, on n'arrête pas de me dire « LES, poste, il faut que tu sois tout ». Mais j'ai pas grandi comme ça moi, tu vois, c'est pas ma façon de vivre. Je suis dans un truc très réel, tu vois, je suis dehors avec mes rêves, j'ai pas nécessairement envie de... Même si je sais que c'est un réel besoin, tu vois, il faut que je le fasse. Des fois je me fais violence et vas-y, pendant toute la journée, je vais pas arrêter de pesna, tout ça, et après pendant une semaine, tu vas plus rien voir parce que vas-y, ça me casse les couilles en vrai. Je suis pas trop réseaux sociaux, je suis plus dans la vraie vie, les rapports humains avec mes amis, avec ma famille, et les gens n'ont pas nécessairement besoin de rentrer dans mon intimité, tu vois. J'essaye de préserver ça. Après, je sais que ça me fait défaut, mais après, je privilégie la vie aux réseaux sociaux.